Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la série Chapeau melon et bottes de cuir, l'intégrale de la série en 49 DVD. Alors, j'ai attendu en vain une baisse de prix à moitié prix pour ce coffret DVD sorti chez Studio Canal. Et j'attendais... année après année et offre après offre qui passe à 50%, mais ça n'a jamais été le cas. Donc le meilleur prix c'était 30%, donc ce qui est déjà pas mal. Donc du coup j'ai pu l'avoir pour 40 €. Donc l'intégrale de toutes les époques de Chapeau melon et bottes de cuir. Alors c'est un coffret assez grand comme vous pouvez le voir, donc un format rectangulaire, donc on peut y voir les quatre interprètes des acolytes de John Steed. Donc c'est un beau coffret mais pas très pratique. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc en fait il y a le coffret en lui-même en carton et après 6 petits coffrets à l'intérieur qui correspondent à chacun une saison avec les DVD. Il y a également des bonus. Donc c'est vraiment sympa, ça reprend tous les bonus des éditions précédentes. Alors si je n'ai pas pris cette série en Blu-ray, c'est qu'elle est vraiment hors budget. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est la dernière remasterisation en date. Et donc l'image correspond vraiment à la remasterisation qu'on peut trouver sur les Blu-ray qui étaient sortis et qui sont bien trop chers à acquérir aujourd'hui. Donc je vais vous ouvrir le coffret, il s'ouvre comme ça, voilà, et dedans vous avez les différents coffrets. Donc ça s'organise comme ça, avec les DVD et le nom des épisodes à l'intérieur. Donc ça c'est pour la première interprète. Il y a deux coffrets pour elle, donc 1962-63 et 1963-64. Voilà, donc c'était Cathy Gale. Maintenant la plus connue et une des plus appréciées, John Steel et Emma Peel, donc le personnage emblématique joué par Diana Rigg. Donc avec ces deux coffrets,
Et enfin, les nouveaux Avengers. Donc la série qui a été tournée bien après. Donc ah non, je me trompe, pardon. Il y avait entre-temps quand même le personnage de Tara King qui fait suite au personnage d'Emma Peel. Donc du coup 68-69. Voilà. Donc cette actrice est restée une saison. Puis nous pouvons retrouver les nouveaux Avengers qui ont été tournés en 1976. Voilà, avec de nouveaux personnages. Il y a 26 épisodes en tout. Et donc, cette série est beaucoup. Cette série-là, ce reboot, entre guillemets, était beaucoup passé sur la 6 à l'époque, dans les années 80. Alors, je ne vais pas vous mentir, le packaging n'est pas top. Donc, je vais vous ouvrir un coffret parmi tous. Ça ne sert à rien de vous montrer chaque coffret puisque c'est organisé de la même manière. Donc là, je vous montre la première saison avec Diana Rigg, l'interprète de Emma Peel en 1967. Donc, à l'intérieur, des pochettes. Et oui, des pochettes. Et les DVD qui sont dans les pochettes. Donc, c'est pas top. Voilà. Donc, il y a bien le numéro des DVD. La saison à laquelle ça correspond. Mais donc, les DVD sont insérés comme ça en pochette dans le petit coffret. Donc, effectivement, on gagne de la place parmi tous ces DVD. Place assez relative parce qu'en fait, il y a quand même ce coffret rectangulaire, certes fin, mais pour le ranger, c'est pas évident parmi les autres séries. Donc du coup, bon, je ne boude pas mon plaisir. J'ai l'intégralité de Chapeau Melon Bottes de Cuir pour refaire cette série dans l'ordre chronologique avec ma préférée, bien sûr, Emma Peel, le personnage d'Emma Peel joué par Diana Rigg. Mais j'aimais beaucoup aussi Peur des, voilà, du coup, de la dernière série de Chapeau Melon et Bottes de Cuir. Et pour les fans absolus de la série, il vous faut deux ouvrages essentiels sur la série. J'ai nommé Chapeau Melon et Bottes de Cuir aux éditions 8e art. On arrive à le trouver encore en occasion. Donc un ouvrage écrit par Alain Carazé, spécialiste des séries. Vous connaissez, si vous regardez mes vidéos, que j'apprécie beaucoup ce critique de série et cet historien des séries télé, et ouvrage écrit en collaboration avec Jean-Luc Puteau, qui est aussi connu dans le monde des séries. Donc en fait, c'est un livre d'art, tout comme je vous avais présenté le livre sur Amicalement Votre, Le Prisonnier. Donc du coup, un ouvrage vraiment intéressant, vraiment complet sur tout l'univers de la série. Alors, c'est pas évident à tourner les pages, ça y est. Avec de très belles photos. L'histoire des différents personnages, des acteurs. Bien sûr, il y a un guide des épisodes très complet de tous les épisodes de toutes les époques. Et l'histoire de la production. Des photos très rares,
un très bel ouvrage sur la série. Voilà, cet ouvrage aux éditions 8e art. Et l'autre incontournable sur la série, c'est le guide du téléphone. Voilà, irrespectueusement votre, aux éditions DLM. Donc, vous connaissez aussi ces petits livres autour des séries. Donc, je vous en ai présenté déjà quelques-uns. Donc, très bien fait. Donc, plus facile à trouver que le précédent. Ce livre reprend les mêmes composantes, en gros, avec le guide des épisodes et l'historique de la série. Donc, vraiment, vraiment sympa pour les fans de chapeau-melon et bottes de cuir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo unboxing ou achat. À bientôt !